Yeah, I'm an imbecile, you know, good girl. Merci encore, monsieur Sao, pour le compte de la dégâts de Sigenson. Merci. Et vous signez la caméra.
Voilà, donc, pour le moment, et je pense qu'il y a beaucoup de présentations aujourd'hui. Oui, beaucoup de présentations aujourd'hui. D'autant plus que nous avons des autorités qui viennent d'ailleurs un peu partout dans le Sénégal. Voilà, monsieur Sila, en attendant. Oui, merci, monsieur Sou. Sans plus tarder, je passe l'antenne à notre doyen, camarade Kank. À vous l'antenne. Voilà, pas de merci. Le match vient de se démarrer entre l'AFC de Boulogne et Niagis. C'est les deux finalistes 2022. Donc le coup d'envoi a été donné à peu près, nous avons joué à peu près 3 minutes de jeu, pas de but marqué. Aujourd'hui, c'est l'AFC de Niagis en bleu blanc et vert blanc. Et c'est bon. Donc Niagis qui avance, le lieu de Niagis, qu'est-ce qu'il va faire? Il entre dans le long centre. La balle a été relayée par le joueur, la défense de Boulom. Il refuse Niagis de s'entraîner de jongler. Le gardien, non! Que se passe? Ah oui, il y a coupran sur le gardien. Voilà. Il y a la coupran. Donc si vous rappelez très bien, donc la zone 5 de l'étape de Ziguinchor est constituée de 7 ASC, donc cette année 6 étaient en compétition et nous avons fait un championnat. Et nous vous saluons de passage sur ce championnat, d'autant plus que c'est l'ASC Kitor qui est le champion de cette année, donc l'ASC Kitor. Donc ça veut dire quoi? Donc nous, deux demi-finales. Voilà, merci beaucoup. Oui. En bon lieu de signaler l'arrivée de madame le ministre Victor Indey. Madame le ministre Victor Indey. Oui. Vous êtes venu aussi. Va féliciter le parrain. Donc, le maire Victor Indey, madame le ministre, elle est accompagnée. Aussi, le chien, aussi la belle du souverain de Niagis. Et aussi. La demi de Niagis est en train de fonctionner. Non, c'est pas bon, boy. C'est mal joué. Alors, à nous, on est là, s'il y a des actions, il y a un partenariat à faire. Ou à le dossard, pour le numéro 15, numéro 15. Ah oui. Oui, monsieur Sina. Thank you.
Et en gros, c'est 500 000 francs pour le... En tout cas, celui qui a fait tous les pieds pour tous ceux qui sont là. Monsieur Bagatti, c'est celui qui a fait tous les pieds pour tous ceux qui sont là. Il en gros, c'est 400 000 francs. Ça, c'est un collier, monsieur Sol. Tous ceux qui sont là n'ont pas fait un collier. Voilà, ça vient de Dieu. Donc voilà, on va passer à la remise du... Voilà, Robert Ivaris Diaye, donc il aura son diplôme d'entrepreneur. Et Robert, il a vraiment tout fait pour la jeunesse de la commune de Niagisa. Merci de vous être ici. Oui, Robert Diaye, vraiment... Vraiment, merci encore Robert Diaye. Merci Robert Diaye. Vraiment, c'est vous. Oui, vraiment, c'est vous. Vas-y, Pakistan, représenté par Pakistan, voilà. Voilà, allez-y. Voilà, c'est la cour de Paris. Voilà, merci. Merci à vous. Moi, en tant que fils de Niagis, si j'enlève ma casquette de parrain, j'aurais aimé que Niagis s'adjuge le trophée. Mais comme je l'ai dit tantôt, Niagis n'a pas démérité. Et Boulogne, vraiment, je pense qu'après tant d'efforts et de sacrifices, surtout si on voit le parcours des deux équipes, Boulogne a mérité amplement ce titre-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Blague à part, moi j'ai été très séduit parce que je ne m'attendais pas, n'est-ce pas, à ce genre de football. Et ce que j'ai vu aujourd'hui me réconforte dans mon idée. Et à mon avis, tout ce que nous avons fait comme effort pour que la soirée soit belle, la journée soit belle, nous ne l'avons pas regretté parce que sur le terrain, nous avons vu deux bonnes équipes. Même si derrière, il y avait deux styles différents, mais quand même le meilleur a remporté. Et Boulogne, encore une fois, je vous tire mon chapeau. Et si je les entends vraiment scander, n'est-ce pas, certaines chansons, vraiment j'ai des frissons. C'est comme si c'est moi-même qui venais de gagner ce trophée-là. D'accord, donc par rapport au projet Niagis Football Club, c'est une demande sociale, j'allais dire. Moi, j'avais pas vocation de créer ce trophée. Et le président de la Ligue régionale l'a dit. Je reste journaliste et je voudrais quand même essayer de rester quand même dans mon carcan de journaliste. Mais après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui dans ce football et après tout ce que j'ai vu, je me suis dit quelque part qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on essaie d'apporter des correctifs, de changer, de créer un club. Nous savons que ce n'est pas facile de créer des clubs. Aujourd'hui, tout le monde sait que moi, je m'occupe d'un joueur de renommée. Ça prouve à suffisance que nos garçons, s'ils croient en ce qu'ils font, vraiment, ils y arriveront. Aujourd'hui, si des joueurs comme Sadio sont arrivés à ce stade-là et qu'ils ont mis à côté des fils du terroir, c'est parce que quelque part, on croit en nous, on se regarde quand même tous les jours, les yeux dans les yeux, et on se dit la vérité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un échec pour moi si, jusqu'à la retraite, on n'a pas un footballeur professionnel. Donc là, je pense qu'on va tout faire pour quand même se
battre, on ne promet rien à personne. Ce qu'on fait, c'est de mettre les jeunes dans des conditions de performance et après le reste, ça viendra. De la même manière que nous avons créé cette équipe-là, c'est de cette même manière-là qu'on va s'approcher des dirigeants du football sénégalais pour quand même qu'ils viennent de temps en temps jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons à la base. Parce que effectivement aujourd'hui, nous avons tous vu que le vivier du football sénégalais reste la Casamance. Si on l'offre. Ouais. Effectivement, pas plus tard que ce matin, j'ai eu à discuter avec trois clubs européens par rapport au projet. J'avais mûri cette ambition, l'idée de créer d'abord une académie depuis 2015. À un moment donné, moi j'ai vécu à Marseille et j'étais obligé de repartir voir les dirigeants de Marseille, en l'occurrence Jean-Philippe Durand, qui m'avait promis. Mais malheureusement, il a été évincé. Bon, à un moment donné, il est parti. Mais aujourd'hui, effectivement, j'avoue que j'ai renoué le contact avec certains responsables du football européen, dont je vais taire le nom. Quand même, ils sont en train de réfléchir. Je pense que deux m'ont demandé de mettre un bon projet, un bon dossier que je vais présenter incessamment à leur table. Et comme ça, on verra la faisabilité de ce partenariat. Yeah.